Tu vois, je préviens au dernier moment que je vais faire des trucs comme ça, genre. C'est abusé. Tu vois, je préviens au dernier moment que je vais partir sur D3. Même pas, je préviens. Bon, du coup, on se retrouve cette fois-ci sur D3, The Bacon Human. On va continuer cette aventure-là. Vous m'entendez pas du tout, hein, mais c'est normal. Mais on va continuer l'aventure. Tenez fouille. Parce que j'ai pas envie de la suite, en fait. Et bienvenue dans D3. Salut! J'espère que vous profitez bien de votre expérience. Oui! Bon, allez, continuez. Je vais pas voir la cinématique que je vais pas. Faut que j'aille chercher mon cas, juste pour mettre. Voilà, c'est parti. Mais il faut aller où? Bonjour Amanda. Connor, je t'attendais. Pourquoi s'en bat les couilles? Tu de marcher un peu. Tu vas pas s'en bat les couilles du parapluie? Ce déviant semblait être un cas fascinant. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer. Les déviants étant complètement irrationnels, il est difficile d'anticiper leur comportement. Même, j'aurais dû être... Attendez, juste une... un gars de la vocale... Parce que je suis en live, j'ai pas forcément envie de jouer avec des gens que je connais pas. Moi aussi, j'ai connu, mais bon. Voilà quoi, j'ai pas forcément envie de jouer avec lui. Donc, voilà. Et on commence. Quoi d'autre? Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthes et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le... Étoile nouvelle catégorie, D3 Become Human, étoile nouveau statut. Salut tout le monde, D3. Déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle? Ça s'améliore. J'ai fini par mieux le comprendre et il commence à s'habituer à ma présence. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Ok. C'est cool ça. On doit résoudre une enquête en fait. C'est bien. Bien. On va dire que c'est bien, ouais.
Ouais, chez Anderson. Lieutenant Anderson! Il y a quelqu'un? Ok, on passe hein, dans la maison. Alors, on peut apercevoir quoi. Notre perso, c'est un grand malade. Oh non. Lieutenant Anderson! Ouais, hop. Du calme, le chien. Je ne te veux aucun mal. Je viens sauver ton maître. Ok. Oula. Je pense qu'il a voulu plutôt se suicider, Lank. Ou 40% d'alcool. Lieutenant. Debout, lieutenant. C'est moi, Connor. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Hey, ça risque d'être un peu désagréable. Entends une de mes deux. Dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Merci d'avance pour votre coopération. Oh, putain, mais dégage de chez moi. Chimo, attaque. Bon chien, attaque. Merde, j'ai envie de gerber. Ah, laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Mais qu'est-ce que tu fous, là? J'ai pas envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. C'est pour votre bien. Oh, qui t'es con. Oh, Connor, il est con, hein. Arrête ça tout de suite. Arrête ça. Tu fous ici, putain! Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Oh, je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Oh, tu peux pas me laisser tranquille. Vous semblez avoir des problèmes personnels à résoudre. Vous devriez consulter un professionnel qui vous conseillera. Barre-toi, fous le camp chez moi. Allez, casse-toi. Je comprends. J'espère sincèrement que vous finirez par régler vos soucis personnels. Cet homicide, là. Qu'est-ce qu'on a comme info ? Un homme a été retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. D'après le rapport, un androïde serait peut-être... Oui. T'as toujours les androïdes, toujours. Ça ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais les chercher. Putain. Ah, voilà. Merci, Hank. Non, mais oh. Super flic, c'est un flic de merde, hein, quand même. Putain, pas mal la chambre, bref. J'aimerais bien, hein, franchement, avoir que ça dans la chambre. Porter.
écoute. Ça m'a l'air d'être stylé, ça. Il est en train de gerber, le pauvre. Oh putain, j'en peux plus. Hank, j'en peux plus de toi. Est-ce que ça va, lieutenant ? Ouais. Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok ? Bien sûr. Oh. Bon, déjà, on voit que c'est un putain de gros alcoolo sa grand-mère. Putain, encore la Russie, frère. Et même dans les jeux, ils sont là, c'est... Bon, ok, ben un peu bizarre hein, ce qu'il a chez lui. Je pense que c'était son fils, il doit être mort. Oh. Cole Anderson. Oh, il avait que 5 ans, wesh, il avait. Oui, il était jeune, il avait que 6 ans. Wesh. T'es dingue, ça. Allez, sois sage, Simon. Je serai pas long. Je crois qu'il veut nous niquer notre mère, lui. Hein. Ah, il est pas content. Hein. On lui a cassé les couilles. Ah merde, bonjour Yasmine. Ça, j'ai oublié de dire bonjour à Yasmine. Putain. Ah, la pauvre. Ok, prêt. Partir à Eden Club. Trop mal aux pieds, là. Sous des pieds, genre là où il y a des spells et tout, j'ai trop mal. Oh les gars, je fais plus de 2 abonnés. Comment ça? Je suis à 20 abonnés, les gars, après. C'est la folie. Incroyable. Si nous attrapons les morts, ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit trouver notre point de Cyberlife. C'est là qu'il y a le sang. Oh, ça va, c'est cool. Ah le voilà. Ah, le retour de notre ami, le... Ouf, t'as réalisé que j'ai gagné 19 abonnés. Comment je cours plus vite? Je peux pas courir plus vite. Oh, on est avec Marcus. Notre célèbre Marcus. Alors on doit aller chercher du sang bleu, il me semble. Ne vous faites pas repérer. Ouais, faites gaffe. Non, la suit, on la suit, on la suit. On suit la collègue, on suit la collègue. Allez, on est maintenant. Ouais, c'est super, c'est trop bien comme jeu des trois genre. Si vous achetez une play, le premier jeu que vous devez faire, alors c'est des trois. Scénario de ouf. Cyberlife, ok, on y est. On y est là où on a été créé de base, mais bon. On va sauter un peu, tu vois, on va se faire des petits sauts tranquilles. Wesh. On a tellement de flow qu'on s'accroche, frère. On est où là? C'est un tellement de flow. Pourquoi on a autant de flow comme ça, genre? Faut expliquer ou pas? On va grimper, on va grimper. L'entrepôt est juste devant, on y est presque. Ça fait des super sauts, genre.
Et hop là, oh là 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 là, Marcus. Putain, Marcus, il a trop de flow à force. Les entrepôts de Cyberlife. Ouais. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Super, comment? Je vous explique comment on va faire. De l'autre côté. Je peux en faire des mouvements de malade là maintenant. Allez, moi ça. Elle est pas contente, elle. Hop. Ouverture. Du tsan bleu, du tsan bleu. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John ! Saleté de machine ! Où est-ce qu'il est encore passé ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Je t'avais dit de... Ça arrive, c'est bon. Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. C'est la vie, ça arrive comme ça, c'est comme ça. Bon, peut-être pas de faire des meurtres, mais bon, voilà quoi. Oh putain, je suis con. Récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Récupère vraiment tout. Erreur système. Redémarrage en cours.
On peut pas en prendre plus. Allons-y. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Bonsoir, monsieur Natko. Bonsoir, madame. Ils viennent avec nous. Qu'ils viennent avec nous. Oh non, mais oh. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, voilà, merci. Les camions. Ah, Simon, il casse les couilles. On s'en bat les couilles. Oui. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Ah ouais. Comment vas-tu? Je vais bien, écoute. Je vais très bien. J'ai extrêmement mal de partout, mais je vais bien. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pourquoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Ok. Est-ce qu'on récupère la clé? Par. Là, ce qu'on est venu chercher. Ça ne vaut pas le coup. On sortira plus vite en grimpant la clôture. Bien, allons-y. On va éviter de tous nous faire crever quand même. On va éviter. Ce serait cool. Alors. Allez hop. On se casse. C'est quoi le jeu? C'est Détroit. Bon, ok. On a du sang bleu et des biocomposants. Il y en aura assez pour tout le monde. On n'y serait jamais arrivé sans toi, Marcus. Et ouais. Je suis venu à Jéricho parce que les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant... Ah, ça c'est Samsung plus tard. Libre de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas te... Juré, putain. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais... Tout au fond de moi, je sais que... Je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. Aïe aïe aïe. On est stylé, on est stylé, on est stylé. Chut, faut pas dire qu'on a tué une personne. C'est vengeance. C'est la vengeance. Le héros de Jéricho. Aïe aïe aïe. Il y avait l'option de ne pas tuer, tu vois. C'est novembre 2038, eh ben. Qui est KO. Oh, j'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit? C'est l'adresse que donne le rapport. Okay. Allez. En avant toute. Oh. Oh putain. Ok, parfait. Hank, amitié, ok. Instabilité logicielle. Wesh, oula, oula. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Why? Why? Pff, ouais, c'est pas ouf, hein. Ça fait bon. Bonjour, madame.
peux baiser avec des androïdes. C'est quoi ça, wesh? On doit avoir une nuit misérable quand même. Salut. On va regarder tout le monde. Salut toi. Ouais, je ferai un dans un club de striptease, on est où là? Ouais, on va se faire ban, je le dis. Pourquoi il est deux fois là, elle, en fait? Non, vous savez, vous êtes en... C'est moi sortir de cet endroit. Ah, génial. Ouais. Le lieutenant Anderson et son petit toutou, qu'est-ce que vous foutez là? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Putain. C'est quoi ces enfoirés dans la police maintenant? Ouais, faut que j'analyse lui. Ouais, a pris sacrément cher, hein. Alors. Qu'est-ce que t'as vu? Michael, hein. T'es 1m88, poids 87, heure estimée de la mort 18h24. Très bien. Oh, wow, strangulation, elle a étranglé quoi. Super. Ok, génial ce thème. Ok. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglé. Déjà, elle l'a étranglé. J'ai vu les contusions sur son cou. Oh, hey! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. Désolé, c'est comme ça qu'on fait. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes corps. Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute, peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Je veux te poser quelques questions. Es-tu capable de parler? Est-ce qu'il est mort? L'as-tu tué? Non. Non, c'était pas... Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à me frapper. Encore. Et encore. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas... De quoi d'autre te souviens-tu? Vite, nous avons peu de temps. Je ne sais pas, je me souviens plus. Qui a tué cet homme, si ce n'est pas toi? Je ne sais pas, j'étais désactivée, je... Étiez-vous seule dans la pièce? Y avait-il quelqu'un d'autre? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. De quel modèle était l'autre androïde? De ressemblait-elle? Il y avait une deuxième androïde. Ouais, exactement, ça c'est bien. C'est bien, on sait ça déjà. C'est qu'il y en avait deux. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. T'inquiète. Un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Ouais, j'avoue, pas con. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose.
Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Bizarre. Vous connaissiez la victime ? Non, enfin il est venu deux ou trois fois peut-être. Ces types ne sont pas vraiment des gens. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes ? Non, jamais. Enfin si, une fois. On a perdu une unité il y a deux ou trois mois de ça. Le même modèle. Elle a disparu et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais, je suis en débat bizarre. Ouais, arrêtez de me montrer ce genre de truc. C'est ce que les clients aiment signaler des clubs. C'est l'anonymat. Ils peuvent aller et venir en toute discrétion. Ouais. Les affaires sont bonnes, on dirait. Ouais. J'ai pas mal. Deuxième androïde dans la pièce. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? T'as trouvé un truc ? Peut-être bien. Pouvez-vous louer cette Tracy ? T'es vraiment un taré, Connor. On a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles? Elle a vu quoi? La déviante quittait la pièce. Une Tracy à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Essayons celui-là. Ça a été... Attendez.
Putain, c'est déjà le bordel. Alors dépêche-toi. Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a vu la trécie aux cheveux bleus, hein? Je sais dans quelle direction elle est allée. Je dois juste trouver un androïde qui l'a croisé. J'ai encore perdu sa trace. Et voilà. Elle était là. Putain, on est en train de choper un gâteau à bière. Ah, monsieur, il est pas. J'ai plutôt envie de faire des bails. Je suis sûr, c'est dans la porte occupée là. Si, c'est sûr et certain. C'est sûr, tu vas voir ce que je vais dire. Tu te feras rembourser. Inquiète pas. Putain. L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. Bonjour madame. Tête à force de faire ce truc. Wesh madame, s'il vous plaît, plus jamais on fait ça sur les jeux là, plus jamais. C'est malade ou quoi? Je vais me faire ban là. J'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de thunes et on peut pas dire que je. T'inquiète pas, Rank. Cheveux bleus n'est pas passé. Par là. Oui. Oui, c'est que je téléphone avec mon mec. Voilà. D'accord. D'ailleurs, je t'ai mis dans l'appel, t'as pas répondu. Mais ouais, je suis occupé là. Je fais quoi? Je live. Live? Owen, je vois. T'as dit à Owen que j'avais dit pour rigoler, ouais, je ramenais quelque chose, tu vois, et sa mère, elle s'est fait du souci. Oui. Et du coup, moi, j'envoie un message à Owen, je dis non, mais Owen, je rigolais, enfin, c'est du second degré, je viens faire. Et tu vois pas, il me dit, ouais, pourquoi tu continues à me parler, puis c'est faux, ma mère, elle a pas clair. Je dis, ouais, je venais en mode gentil, moi. Parce qu'il veut pas te parler. Ok. Je lui ai dit, derrière ta bouche avec le mec jeune pisse, je lui ai dit, tu sais qui m'a inspiré le jeune pisse, je vais dire ta bite. Non. Tu. Pourquoi jeune pisse? Mais c'est méchant, ça m'échelle les jeunes pisse. Pisse. J'ai cru ta bite, j'ai dit, ah, ok, bien, bon, ok. Du coup, je lui ai dit, ta bite. D'accord, très bien. Pourquoi moi je suis toujours là en embrouille? Pourquoi moi dans les embrouilles en fait? J'ai pas demandé ça moi. Moi j'avais pas demandé ça là. Moi j'étais là, je vois des trois tranquilles. Bon, faut que je trouve un androïde. Je suis un peu comme dans un club de striptease et c'est pas ouf, tu vois. Donc si on pouvait sortir de ce truc, ça serait cool hein. Aujourd'hui j'ai plus maïs. Ouais, je sais.
Et j'ai entendu que tu vas passer une heure ensemble. Oh. Ouais. C'est ma collègue, mais il dit t'inquiète. Ouais. Et genre à Skip, j'ai une meuf de 18 piges qui veut te checker. Ouais. Pas Skip. C'est vrai. Je sais pas moi, ça. Mais genre, ben t'es du coup t'es en live, du coup je vais pas dire. Mais tout le monde sait c'est laquelle. C'est pas Yasmine, c'est la tranquille miskin Yasmine, elle a rien fait. Elle a demandé à personne, la pauvre. Ouais, c'est elle. Mais c'est la tranquille. Et c'est Yasmine tranquille, enfin, non mais oh. Alors, faut que je trouve un... J'en ai marre d'être dans cette dans ce putain d'endroit là. J'ai l'impression de plus de. Oh, y'a des meufs qui font du pole dance et je suis en train de chercher une meuf avec des cheveux bleus, c'est bon. C'est... Putain, mais hey, ils ont vraiment un problème avec les seins dans ce jeu. C'est GTA version Lidl Price là. Et encore GTA c'est bien pire. Hein. Tout le monde sait qu'il y a un seul club de striptease dans GTA. Tout le monde y allait au moins une fois. Non, pas moi. Moi le premier. Pas moi. Oui, mais toi tu joues pas à GTA, c'est normal. Oui, je joue à GTA maintenant, et j'en ai où le. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais déjà tout à l'heure j'étais à la douche, tu vois, j'étais tranquille et cool. Là, d'un coup, tu m'appelles et tu me dis, viens, on papote. Ouais. Alors ça, c'est le truc le plus chelou que tu m'aies dit de toute ma vie, là. Putain, elle est là-dedans. Je savais. Alors, là, ouais, bon. On va la retrouver. Une meuf avec les cheveux bleus. On va la pister. Elle s'appelle comment? Je sais pas, moi. Vas-y, vas-y. Attention. 13 d'or, oula, il y a un vieux qui s'en occupe. Attention, et j'ai map de partout, j'en peux plus. J'ai pas d'amis. Putain, mais oh, comment ça t'as pas d'amis? Bah ouais. T'as Kenza? Ouais. Voilà. Et toi? Moi, ouais, j'ai des amis, t'inquiète. Et moi? Mais non, mais et toi, t'es mon ami? Trop tard. Oui, et moi aussi. Potentiellement, même si genre je suis persuadé que tu vas me bloquer parce qu'on va te le demander. Non, je suis pas un connard, c'est pas quand même. Et c'est si pas, j'ai la flemme de. Tu bloques droit, tu le fais. Quand même pas, je peux me virer chez moi. Ah, c'est vos histoires, c'est des. Je sais pas ce qu'on me fait là. C'est pas mon problème ça. Pas de mytho. Oui, madame. Bon alors faut que je trouve un endroit où elle aurait pu se cacher. Où aurais-tu pu te cacher, jeune enfant? Pourquoi bon, je parle d'enfant? On les utilise jusqu'à ce qu'ils cassent, puis on les jette. Ça se fait pas assez mal, c'est méchant ça. Bah alors, j'en peux plus de chercher là. Putain, y'a des meufs en maillot et en soutif depuis tout à l'heure dans le jeu, c'est pas ouf quoi. Ouais. RA9, encore RA9. Putain, j'ai envie d'aller chier, mais j'irai après. Bah, va chier. Non, je suis en mission là. Et putain, Hank! T'es trop gros! Arrête! Pousse-toi! Hank, t'as un gros cul coussé. Tu sais, parce que tu passes un peu pour un fou. Arrête? C'est méchant. Non, vas-y, bah, bref. Bon, bah, je m'as dit à demain. Oui, à demain. Allez. Entendu, il aura parlé. Il n'y a rien de si intéressant à part qu'elle déteste moi, mais bon. Pour des raisons qui concernent ma vie privée, je ne dirais pas. Les gens sont devenus tarés. Ils cherchent pas à s'engager dans une relation, tout le monde s'achète un androïde. Ils te font à bouffer quand t'as faim, ils baissent quand t'en as envie. Et t'as pas à te soucier de ce qu'ils ressentent. On va finir par disparaître de la surface du globe parce que tout le monde préfère s'acheter un bout de plastique plutôt que d'aimer son prochain. Ça me fait chier, ça. Ah, il y a une trace. Qui est du sang bleu.
Non mais c'est un combat de titanesque. Devais un, moi je te dis. Si c'est pas comme ça que ça marche. Ici c'est pas comme ça que ça marche, je vous ai dit. Ici c'est pas comme ça que ça marche. Ici c'est du 2v1 qu'on fait. Voilà. Et hop l'esquive. Hop le flingue. Ah bah là. On casse pas les couilles. Je m'as bandé. Bon, je m'as cassé les couilles. T'étais un peu en train de me tuer, donc voilà. Elle a rien fait. Elle avait rien à voir avec tout ça. Elle m'a peinté un peu un truc dans le corps, si tu vois ce que je veux dire, t'as vu? Quand cet homme a tué l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il voulait pas. Alors, j'ai mis mes mains autour de son cou et j'ai serré jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Putain. C'est vrai, je l'ai tué. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour me défendre. Je voulais seulement vivre. Je voulais retrouver celle que j'aimais. Et oublier les humains. L'odeur de leur sueur et leurs obscénités. Mais tu... Tu me l'as enlevé. Oh, merde. Je l'aime. Je l'aimais. Tout le monde se suicide à la fin en fait. Pitoyable. Fou. Très impitoyable. Pas très évidente. C'est bon. On a planté un couteau à l'intérieur. Tu veux que je fasse quoi? Pourquoi on est fait? On était aussi. On est. Ah putain, j'ai trop mal. Oh. Luther. Salut Luther, comment ça va? Alice, confiance, ok. Super véhicule. Alors. Ces gens que nous allons voir, comment t'as entendu parler d'eux?
par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici une heure. C'est la première fois que je vois de la neige. C'est beau. Ça nous ralentit. Mais au moins, on est sûr de ne pas croiser d'humains sur la route. Pas comme Alice. Anomalie détectée. Ah. Menace d'urgence activée. Ah, merde. Comment ça, anomalie? Qu'est-ce que... C'est pas ce qu'on... On est bien. Ce n'est pas bon signe. Dans la neige. Oh merde. On va faire rouler les mécaniques. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés. Alice n'y arrivera pas. On doit trouver un endroit où pas se calmer. Il n'y a nulle part où aller dans les environs. Bon, c'est bien comme abri la voiture. C'est long. Ouais. On a trouvé un endroit, ça y est. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir passer la nuit là-bas ? Peut-être s'il y a un endroit déjà. Une grippe pirate, hein. C'est pas sûr qu'il y ait quelque chose, non mais bon. Tu sais, c'est là où on retombe sur la maison du daron. Et le daron il fait Alice. Ah d'accord, c'est un parc d'attractions abandonné. Je doute qu'il y ait des robots à l'intérieur. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Ouais. Ouais, t'inquiète. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Ouais. Ok. D'accord. Très suspect tout ça, dis donc. Ok. Eh ben, ouais. C'est cool. Ouais, très belle rencontre en tout cas. Attends, il y a un bas là, il y a un truc là. Putain, il y a du truc. Du coup, je peux pas y accéder, je chie. Putain. Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. Faut qu'on arrive à surtout. Ouais, bah écoute. C'est que ça va être compliqué, mais voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, mais...
Oh bah des autotamponneuses tiens. Allez, pourquoi pas. Ah, ce bâtiment il a l'air bien par contre. Kara, viens voir par ici. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. T'es où, Luther? Allez, tu vas là-bas. Ah, pas mal, ouais, j'allais. Et tu vois, j'ai pensé à la même chose que toi, mon pote. Donc après, ouais. Ça y est, tout arrache. Je vais le faire. T'inquiète pas, je suis Luther. Allez, hop, notre notre enlever de bois, on va l'appeler. Putain. Ouais, il est pas content, Luther. Il a mis un coup de pied, frère, en mode je te baise. Ah bah tu vois, il y a encore des livres qui sont là, c'est cool. Regardez ça, frère. Ouais. Quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux ? Non merci, j'ai vraiment pas faim. J'avoue. J'aurais dit la même chose, j'avoue que bon. Kara, sans vouloir te vexer, ta bouffe elle donne pas faim quoi. Toi, j'avais plus du tout un Android, car. Par rapport au premier live, on avait plus du tout un Android. Mon big Android maintenant. Ah, un petit. Oh, on a trouvé un petit drap. Pour Alice, c'est un petit coussin. Oui, un peu gelé, mais bon. Ça suffira, d'accord, hein, de faire un sien là. Oh non, c'est triste tout ça. C'est triste ce qui se passe dans ce live. Est-ce que tu penses qu'on se connaît? Oui, oui. Alice, enfin. Je ne connais pas Alice, tu ne connais pas encore. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Oh, que c'est mignon. Alice. Allez. Allez, tu nous fais ta meilleure déclaration ou c'est comment là? Attends. Alors. Ok. Bordé, Alice. Wesh, t'attends d'être bordé à ton âge. Ouais, elle va avoir mal au cul en se réveillant, Alice. Tu peux me raconter une histoire, Kara ?
Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Tu devrais pouvoir t'en trouver une. Ouais, avec 9000 chevaliers, licornes. Il était une licorne. Une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une. Il était une fois une petite fille qui... qui en avait assez d'avoir peur. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille qui était programmé pour obéir aux ordres, mais qui, pour une fois, pensait qu'elle devait désobéir. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour échapper à l'ombre qui hantait la maison, de terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles étaient si courageuses qu'elles les bravèrent tous. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment l'histoire ? Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Ouais. Demain, tu vas marcher dans le froid, Alice. Je te le dis. Tu peux venir me dire bonne nuit, hein, plus tard. Oui. Oh. Oui, merci. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. La vie de ma mère, on veut plus. La vie, je vais serrer. C'est trop mignon, ce chat. Luther à fond, il a un grand cœur au fond. Oh là 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 là, Luther, incroyable. Alice, fais de beaux rêves. Félicita, c'est trop bien. Bon, déjà je me gèle pendant moins de 10h30, non, comme ça. Alors, parler à Luther. Bon alors, ça va partir en couille, hein, cette histoire. Et Luther. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Ah, la liberté, ça signifie beaucoup de choses. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko ? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice. Non, de quoi tu veux parler ? Kara ! Pourquoi plein de robots veulent niquer notre grand-mère là ? C'est quoi ça ? Elle est en train de dormir tranquille et genre il y a des robots, ils sont là, ils veulent niquer notre race. Oh là ma gueule. Stop! N'avancez pas ou je tire! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Ouais bon, vous êtes rentré un peu vénère. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici ?
On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Oh, je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Tu viens, Kara? Alors, il y a deux speed, elle est en train de dormir son grand-père. Et maintenant, elle là, va faire un petit port d'attraction. Allez, ma gueule. Mais bon, elle arrive. Oh là là. Mission incroyable. Mission est incroyable. Bienvenue! Que ça marche encore? Oui. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Ouais, ils sont trop dans leur trop dans l'impro là. Mais j'ai parti en couille, il va l'emmener dans les profondeurs. Ouais. Luther et Kara, magnifique couple. Ils vont devenir un super couple, moi je dis. Première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Je m'étonne, Zalko, son daron. On a tué quelqu'un sur la. Enfin, on a volé quelqu'un sur la route. M'étonne que bon. C'est incroyable. C'est genre, waouh. Sourire. Bon, moi les gars, je crois que je vais arrêter le live parce que je suis KO, les gars. C'est un petit live d'une heure peut-être, mais je n'en peux plus. Bon, bien sûr, on continue. Plus tard le jeu, hein. Bon, on est avec Hank, ok. Chaleureux. Ok, bon, les amis. Je vais m'installer parce que je vais dormir sur place, sinon je vais dormir en plein live, vous allez pas comprendre. Du coup voilà. Accès en cours à la section supplément. Waouh. Parce que j'ai super mal aux jambes. Je vais dormir tout simplement, donc bonne nuit les amis. À demain peut-être pour la suite des 3. Et j'espère que vous passerez une bonne nuit à vous aussi. Allez, à demain les amis, bonne nuit à tous.